voici à Ville-Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal. Le 25 avril 1959, la voie maritime met en fonction Sainte-Écluse, reliant Kingston depuis Montréal, permettant ainsi aux différents intervenants le transport de produits essentiels vers les Grands Lacs. Malgré une technologie avancée, ces monstres d'acier sont sujets parfois à de lourdes conséquences. Pensons aux collisions, aux déversements pétroliers, voire jusqu'au naufrage. Le Heathcliff Hall, construit au milieu des années 50, fait figure de proue avec plus de 100 mètres de pont pour un laquier. Quelques années plus tard, il est inscrit au grand livre des tragédies maritimes. Ce documentaire vous invite à découvrir avec nous un portrait sombre mais réaliste de son naufrage entraînant la mort de 9 personnes. La tragédie est aussitôt rapportée aux autorités et les premiers secours arrivent une heure plus tard. Dès l'aube, les opérations de recherche débutent aux limites des deux frontières. Vers 7h40, les plongeurs récupèrent le corps du capitaine Richard Groux, encore à l'intérieur de la cabine de pilotage, et ceux de 3 autres victimes peu avant midi. Ce cargo en provenance de Sorel passe en vue de Cornwall pour atteindre les Grands Lacs, racle au fond quelques minutes avant de sombrer au large de Morrisburg. Depuis plusieurs années, une bouée est fixée au navire marchand, repère essentiel pour les plongeurs désireux d'y faire une excursion. Suite à votre immersion, vous ferez face à un courant variable de 3 à 4 nœuds lors de votre descente le long du câbleau, et c'est au niveau des 12 mètres que vous ferez la rencontre de ce mastodonte d'acier. La coque du navire repose désormais à quelques mètres géographiques de la frontière séparant le Canada et les États-Unis. Une promenade sur le pont avant nous fait voir les treuils laissés en place et tout le mécanisme servant à la manœuvre des ancres. Ensuite, sur l'étrave bâbord, le nom encore lisible du laquier. Alors que la vie marine se manifeste sous plusieurs aspects, vous amorcerez une descente sur tribord avant à plus de 20 mètres de profondeur.
coque du Laquier repose désormais sur un lit de galets. Une ouverture béante nous rappelle la collision. D'un coup de palme assuré, glissez-vous prudemment à l'intérieur, tout en gardant un œil attentif aux cloisons affaiblies par le temps. Armé d'un éclairage adéquat, il sera possible d'avoir un aperçu des entrailles du navire. Et tout en demeurant vigilant, votre sortie s'effectuera inversement vers les eaux libres. Suivant notre visite, le pont arrière, quant à lui, offre un amalgame de débris sur la salle des machines. Tout cela est le fruit d'une activité volontaire lors du démantèlement, quelques semaines après le naufrage, en raison du trafic maritime quotidien. Disparaissant à l'arrière du bateau, une autre descente nous entraînera vers le gouvernail. Quant aux hélices, elles seront retirées peu de temps après l'enquête. L'ouverture attire notre attention. Celle-ci servait à une ventilation de la salle des machines et permettait du même coup au transbordage de pièces mécaniques. Parmi les débris, une passerelle, plateau de travail essentiel aux mécaniciens. Il est fortement recommandé sur cette épave que des plongeurs de niveau avancé s'y retrouvent, et ce, dû aux difficultés naturelles rencontrées. Profondeur, manque de visibilité et courant. Sous une visibilité réduite allant de 3 à 5 mètres et selon la saison, la découverte de cette impressionnante structure avec sa cargaison de plusieurs tonnes en barre de fer restera inoubliable. Thank you.
Depuis cet événement, la cabine de pilotage, les mâts ainsi que la cheminée ont été dynamités afin d'éliminer toute entrave à la navigation. Voilà donc un bref survol sur le East Clifford. De cette catastrophe inscrite aux archives, il reste bien sûr les gros titres, le deuil des familles, mais surtout un souvenir bien ancré dans la mémoire. Soyez prudents et bonne plongée à tous.